Bien, alors le bol, si on veut une version noir et blanc, ça va pas être facile ça. On va peut-être devoir faire une sélection de l'intérieur avec la flèche blanche plus. Donc je clique à côté, je clique sur la forme intérieure là et la mettre en blanc. Voilà. Blanc. Cette forme intérieure. La forme extérieure, peut-être la mettre en noir. Voilà. Donc sans avoir besoin de vectoriser, on a une version noir et blanc du bol en quelque sorte. Il n'est pas parfait, mais bon, c'est pas mal quand même. Donc l'idée, c'est de faire un logo avec uniquement une seule couleur qui vous permettra de faire une impression rapide, pas chère sur des t-shirts, une couleur, peu importe la couleur. Votre t-shirt peut être noir, vous imprimez en blanc avec le système de la sérigraphie. Votre t-shirt est blanc, vous imprimez en noir ou en rouge, peu importe. Mais en tout cas, une seule couleur. Un logo doit fonctionner avec une seule couleur. Après, si on fait des variantes avec plus de couleurs, c'est une autre histoire. Mais pour être mis sur une voiture, sur une badge de camion, tout ça, une couleur, c'est l'idéal. C'est un bon logo qui fonctionne en une couleur. Alors, des bons logos. Je vous en montre, c'est facile dans Bing ou dans Google. Vous tapez Negative Space Logo. Alors les logos, c'est vaste. Mais il y a un type de logo qui donne un bon résultat avec une seule couleur. C'est les logos en espace négatif. Negative Space Logo. Et vous tombez sur des logos de ce genre-là. Ou on a une superposition d'un élément à un autre et malgré tout on le voit parce que ça fait une encoche, un creux. Voilà, vous en connaissez certains des logos qui utilisent ce principe, notamment. On en avait déjà parlé? Non? Vous ne voyez pas un logo connu qui utilise le système de l'espace négatif? Il y en a plusieurs qui sont connus. Voilà, ça c'est un logo en espace négatif. Bon, il n'est pas en une seule couleur. Vous avez un C qui est visible par-dessus une autre forme. Là, c'est vrai qu'il y a aussi deux couleurs, mais vous avez une flèche qui est visible dans le logo. C'est connu ça. C'est visible une fois qu'on sait. Vous avez le logo WWF qui vous montre un panda où voilà, c'est assez bien fait. On arrive à voir le panda malgré que la tête est devant le corps, etc. Bon, ce sont des logos qui sont quand même assez bien pensés en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logo en espace négatif connu? Ah, le logo NBC, mais il est moins connu ici en Europe, hein, c'est américain. Le logo Adobe aussi, évidemment. Voilà, ça je vous laisserai découvrir. Donc c'est une piste pour vous familiariser avec des logos qui sont pas trop mal. C'est de taper Negative Space Logo dans Google ou dans n'importe quel outil de recherche et vous allez trouver des logos qui sont pas trop mal. Ok. Donc c'est ça l'idée. Un logo en une couleur et malgré tout, en superposant des choses. Les choses vont rester visibles, on va arriver à distinguer. Et nous, on va utiliser un système tout bête de contour, en fait. De contour ou de fond dilaté, en fait. On va faire ça ensemble.